Alors, tout ce qui se réitère en toi, toutes ces pensées que tu as tout le temps, c'est l'héritage de la race humaine avant toi. C'est désordonné, ça passe du coq à l'âne, mais c'est là. Elles ne sont pas à toi. Mais depuis très longtemps, on s'est identifié à ça. Parce que il y a un penseur. Et tu es identifié au penseur. Et le penseur croit qu'il connaît des choses, mais ce sont des choses qui lui ont été données pour pouvoir penser. C'est l'héritage de la race humaine avant nous. Ce que nous sommes, c'est ni plus ni moins que ce paquet de mémoires qui traverse nos esprits tout le temps. Et le monde que tu connais, que tu vois dehors, c'est ce que nous en faisons avec toutes ces pensées. Nous faisons le monde. Et en fait, l'héritage que tu as, c'est ni plus ni moins toutes les mémoires qui ont été accumulées. C'est un peu comme ils font avec l'IA. C'est-à-dire qu'ils mettent tous les pensées que les hommes ont, les savoirs que nous avons, ils le mettent dans une mémoire et cette mémoire restitue ce que l'humain a décrété. Donc, voilà comment marchent nos esprits. Nous sommes assimilés à ce que l'homme aujourd'hui fait avec l'IA. Il a mis toutes les informations dans une puce, dans une mémoire, et cette mémoire réitère ce que nous savons. Donc, on n'invente rien en fait, mais tout se passe en soi. Le monde est en toi. Tu as en toi l'activité de la planète entière depuis des millions d'années. C'est incrusté dans ton corps, dans ton ADN. Tout ce que tu es est le résultat de tout ce que on a déjà pensé, toutes les conclusions qui ont été faites, toutes les analyses qui ont été faites, toutes les dictons, les traditions, tout ça, c'est quelque chose qui se trouve en toi. Si tu veux avoir la preuve, tu fermes tes yeux et tu verras qu'il y aura quelque chose qui va venir, une pensée quelconque. Et en fait, cette pensée-là qui arrive, elle va te distraire parce que tu vas vouloir en fait la comprendre, tu vas vouloir la suivre, tu vas être intrigué, tu vas être distrait par elle. Et si tu es distrait par cela, alors tu n'es plus là avec ce que tu es. Et ce que tu es n'a rien à voir avec toutes ces pensées, toutes ces mémoires que tu véhicules. Tu les véhicules. C'est le véhicule que tu as, c'est toutes ces mémoires, justement. Ce sont des choses que tu as cumulées au fil du temps aussi avec ton passé. Ta famille, tout ce que tu as fait, tu t'en souviens et tu le restitues. Comme si c'était une histoire qui était vraie, quoi, en fait. Mais ce n'est qu'une histoire du passé qui est répétée, puisque tu le répètes, puisque tu aimerais le faire exister de la meilleure manière. Et cette manière que nous avons, c'est nos ambitions, nos désirs, de faire en sorte que ce que nous vivons soit agréable, soit sécurisant. Et donc nous voulons faire en sorte que tout ce que nous avons, tout ce que nous savons, puisse nous porter du réconfort. On a cherché dans tout ce que nous savons quelque chose qui va nous donner une sorte de sécurité
pour qu'on puisse réagir aux événements crus qui arrivent, qui ne sont pas, si tu veux, contrôlables. Parce que si tu veux contrôler, alors tu seras très occupé avec toutes les pensées que tu as, parce que toutes ces pensées, justement, elles servent à contrôler les situations. C'est-à-dire que cette mémoire, elle veut faire en sorte que tout se perpétue de la même manière. Donc, tu contrôles avec tout ce que tu sais les événements qui arrivent. Et les événements qui arrivent aussi passent du coq à l'âne. Et ces événements arrivent parce que nous y avons pensé, parce que c'est le résultat de tout ce que nous avons fait. Donc, c'est pareil, ce sont nos pensées qui arrivent comme ça et qui passent du coq à l'âne et nous impactent. Mais ce n'est pas à nous, ce n'est pas à toi. Ce sont des choses que le monde pense et ce sont des pensées qui reviennent à toi et en fait tu t'identifies à ça. Tu dis c'est de ma faute, tu dis c'est de sa faute, tu dis que ça c'est mon accomplissement, tout ce que j'ai fait, voilà le résultat. Mais en fait, ce n'est pas toi, c'est juste un programme qui a été laissé de la race humaine avant toi et avec lequel tu vas faire en sorte que ta vie puisse être quelque chose qui est visionné depuis un destin que tu as concocté. Parce que tu concoctes le destin que tu veux avoir avec tout ce que tu projettes. Toutes ces projections que les pensées font, eh bien, elles concoctent le destin de l'humanité, le destin que tu as prévu, c'est-à-dire l'ambition que tu as. Tu vas vouloir aller vers ça toute ta vie. Et c'est comme ça que, pour la plupart, nous vivons. Nous faisons notre destin, et si nous n'arrivons pas à avoir les choses que nous voulons, on va trouver quelque chose pour une solution. Et cette solution va être de dire que c'est à cause de toi que je n'ai pas cette récompense. Et en fait, on est prêt à accuser le monde entier pour faire en sorte qu'on se sente bien et on ne se sente pas coupable de ce que on a fait soi-même. Donc, toute l'action que nous faisons a un préjudice sur nous-mêmes, sur le monde, sur ce qui se passe dans nos relations. Nous en sommes responsables, nous-mêmes. Et tout ça, c'est l'activité de la pensée qui fait que nous continuons comme ça à agir dans le monde. Et toutes ces actions que nous faisons ont des répercussions. Ces répercussions, ce sont les choses qui arrivent soudainement, les situations que nous ne voulons pas voir, elles arrivent. Des accidents, des drames, aussi quelquefois du plaisir qui peut arriver à l'improviste. Mais là, c'est quelque chose qui va être pris pour pouvoir en jouir. Et tout le monde cherche dans sa vie quelque chose de bon pour jouir. Il ne veut pas rencontrer ce que le monde n'aime pas, ce qui est désagréable, ce qui ne te donne pas de la joie, du plaisir de vivre ensemble sur cette belle planète. Donc certainement, tu veux une belle maison, tu veux tout arranger pour que ce soit impeccable, pour que ce soit au goût de tout ce que tu connais, de tout ce que tu as mis en place, de toutes les conclusions que tu as. Parce que la conclusion dit que si je veux être heureux, ben, il faut que j'ai ça, ça, ça et ça. Et donc, tu es en poursuite de tout ça. Ce sont des pensées qui ont été mises là. C'était l'héritage que tu as qui fait en sorte que ça programme ton esprit pour pouvoir aller dans le sens de tout ce que le passé propose. En fait, tu répètes tout simplement ce que le passé propose. Tu te proposes quelque chose de bon, un désir que tu as, que tu aimerais acquérir, et tu le poursuis
et tu deviens dépendant de ce désir que tu te proposes à toi-même. Donc, ce que tu te proposes à toi-même, ce sont les pensées que tu as qui se réitèrent et elles font des conclusions, elles te donnent un programme à suivre. Et tu es toujours en train de suivre un programme donné qui a été hérité. Tu le prends de la race humaine avant toi pour pouvoir l'exécuter. Parce que c'est que ça que tu connais. Tu ne connais que ce que le passé te donne. Donc la connaissance de l'homme, elle est limitée à tout ce qu'on connaît. Et pas plus que ça. On est au-delà de cette faculté. Il y a un grand vide, une grande ignorance. Donc on ne veut pas aller au-delà de ça. On veut toujours rester dans ces carcans, ses habitudes, ses trains-trains, ses répétitions, ses traditions. Et donc, on garde toute cette activité de l'histoire de la race humaine se perpétuer ainsi à travers chacun d'entre nous. Et on ne sait pas qu'est-ce qui est neuf. Parce que tout ça, c'est l'activité de la pensée. Et on disait tout à l'heure que tu n'es pas ça. Est-ce que tu peux réaliser que tu n'es pas ça? Est-ce que tu peux fermer tes yeux et juste voir qu'il y a des pensées qui arrivent sans même que tu les prévoies? Elles arrivent, juste elles arrivent. Et en fait, si tu ne les regardes pas, si tu ne les vois pas, elles vont te distraire. Elles vont te distraire parce que tu ne les as pas vues, parce que tu n'a pas pris en compte ce que c'est. Tu as juste été embarqué par une pensée qui passe. Et elle t'a embarqué, elle t'a emmené en bateau, et maintenant tu es celui qui exécute le programme de cette pensée. Donc les pensées nous embarquent. C'est pour ça que l'attention pour voir ce qui se déroule est très importante, cette observation de tout ce que tu es. Parce que tu es ça, tu es devenu un paquet de mémoires qui se répètent. Voilà ce que tu es en réalité, dans la vie de tous les jours. Nous sommes tous influencés par l'héritage que nous avons reçu. Et cet héritage nous influence, nous programme pour nous dicter la marche à suivre. Mais en fait, ce que tu es, n'a rien à voir avec tout ça. Ce que tu es en réalité, il faut le trouver dans le calme. Dans le calme, quand il n'y a plus les pensées qui se répètent, quand il n'y a plus ce flux de pensées qui vient dans ton être et qui t'embarque. En fait, les pensées arrivent. À toi de les voir. Et dès que tu les as vues, tu as notifié ce qu'il y a et tu t'aperçois que c'est une distraction, que c'est quelque chose qui va t'embarquer. Alors, tu restes encore dans le calme. Tu ne te laisses pas embarquer. Mais il faut les voir. Parce que si tu ne les vois pas, tu seras distrait automatiquement parce que c'est normal, c'est la procédure normale de la pensée. Elle t'embarque, elle te prend par les sentiments, par le plaisir, par la promesse. Elle t'emmène avec elle. Là où tu dois aller, là où tu devrais être, là où la volonté collective te dit, ça devrait être comme ça. Les pensées font partie de la volonté collective qui nous donne cette envie, ce désir de faire plaisir à la volonté collective, parce que la volonté collective, ce sont tes parents, tes amis, les gens que tu aimes. Ils te donnent du réconfort en te disant qu'ils t'aiment. Ils te glorifient, ils te mettent sur un piédestal. Donc cette volonté collective est devenue très importante pour chacun d'entre nous. Et nous voulons obéir à la norme établie qui s'est forgée depuis des générations et des générations. Et nous avons tout ça qui se perpétue de génération en génération. Nous avons en nous le monde qui se perpétue.
Donc, si tu ne le vois pas, ça va se perpétuer. Tu vas être embarqué, tu es programmé pour agir avec toutes les pensées que tu as. Tout ce qui se passera, ce sera un paquet, un flux de pensées qui t'emmène là où la conclusion du monde nous a donné d'être. C'est-à-dire le destin que tu as, c'est d'aller faire en sorte que le passé puisse continuer à être la même chose. Et rien ne doit changer. Ça, c'est parce que tu es distrait que tu es comme ça. Mais si tu n'es pas distrait et tu vois ce flux passé, tu regardes la pensée, tu l'observes et tu t'apercevras que elle porte en elle une distraction qui va t'emmener, qui va t'embarquer dans des endroits où tu ne veux pas aller. Mais elle va t'embarquer et c'est après que tu t'aperçois que tu n'es pas dans le bon endroit. Tu vas regretter. Tu regrettes toujours les pensées que tu as, parce qu'elles sont instinctives, elles sont compulsives, et elles te font faire des choses que tu fais, non pas parce que tu veux, mais parce que c'est comme ça, parce que c'est un programme. Donc si tu vois ces pensées, ce programme se termine, parce que en le voyant, ça veut dire que tu t'es arrêté, tu es à porter attention sur la chose qui se déroulait, et tu ne t'es pas laissé embarquer avec elle parce que tu as vu la futilité. Tu as vu toute la distraction qui t'a embarqué. Et toute cette distraction te donne, si tu veux, une souffrance. Parce que tu dois toujours répéter cette même chose. Et tu vas toujours chercher à le répéter pour pouvoir faire exister une sorte de bonheur, une sorte de sécurité que tu as mis en place pour te dire que voilà, je fais la bonne décision, c'est mon programme, je dois le faire, parce que si je ne le fais pas, eh bien, qu'est-ce qui va m'arriver demain? Voilà comment les pensées elles font dans ta tête, parce que elles te distraient de ta vraie nature, parce que ta vraie nature c'est le silence, n'oublions pas ça, ta vraie nature c'est le silence. Il y a quelque chose de véritable quand il y a un silence, quand tu n'es pas subjugué, quand tu ne subis pas ce que la pensée propose et que tu la laisses passer, tu n'es pas distraite par elle, tu n'es pas embarqué dans son système, dans ce qu'elle propose, dans la promesse qu'elle te donne. Si je fais ça, ça et ça, oh, je serai bien. Tu vois? Et en fait, tu es subjugué à devenir ce que la pensée te propose d'être. Parce que la pensée, c'est une identification de soi par rapport au passé. Le passé te propose d'être ce qui est le plus glorifiant. Donc la pensée te propose, t'injecte des histoires, des choses que tu dois vivre. Et en les vivant, tu crois que c'est toi qui les vis. Mais tu te fais leurrer parce que c'est pas toi, c'est un programme qui t'a donné d'être ce que tu te proposes d'être. Mais ce n'est pas toi. Ce que tu es, c'est le silence. C'est celui qui ne subit pas. C'est celui qui observe toute la procédure, toutes les conclusions qui se sont mises en place depuis la nuit des temps. Donc, peux-tu regarder le monde autour de toi de cette manière, en observant, et ne pas te laisser distraire, juste accepter que les choses soient là comme ça, et ne pas vouloir jouer avec, et les laisser être. Comme ça, tu gardes ton silence, tu gardes la paix, parce que c'est dans cette paix, dans cette confiance en toi, que tu peux aller voir ce qu'il y a au-delà de ce que la pensée propose. Au-delà de l'illusion, de toutes les pensées, je veux dire, il y a la réalité. Et la réalité, c'est que là, tu es tout puissant. Dans cette posture du silence, là, tu as la capacité d'aller voir au-delà de tout ce que le passé, le présent et le futur proposent.
tu embrasses l'univers, tu embrasses l'éternité. Et c'est dans cette éternité-là, où il n'y a pas de distraction de la pensée, que se joue une émanation de la vie. Et la vie, si tu veux, elle passe à travers toi, elle s'exprime à travers toi quand il y a le silence, quand les pensées ne te distraient pas. Parce que si tu es distrait par la pensée, il y a quelque chose déjà qui est en train de s'exprimer. Donc, l'expression de ce que le monde veut et l'expression de ce que la vie veut n'a rien à voir et ne peuvent pas cohabiter. Donc, tu es soit l'un ou soit l'autre. Soit tu es distrait par le monde et tu t'engages dans l'activité du monde et tu fais exister la vie à travers ce que le monde prévoit, ou tu n'es pas distrait par ce que le monde propose, c'est-à-dire toutes les pensées, tu les laisses passer et tu vis la vie, celle qui a toujours été là, qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin, où aucune pensée ne peut distraire ton être. Parce que ce que tu es, si tu es distrait, tu es celui qui va s'embarquer, qui va être sur une descente vers toutes les ambitions, vers tous les désirs. Et le monde sera en fait ce que tu vas faire. Parce que tu remarques aujourd'hui, ce que tu as en face de toi, c'est ce que nous avons fait tous ensemble pour faire exister ce que nous avons pensé. Nous avons pensé à un monde, nous avons pensé à des situations, nous avons pensé à des choses et nous les avons fabriquées. Et c'est ce que nous avons comme réalité, la réalité de notre vie. C'est ce monde. Et toutes les pensées qui passent à travers toi te proposent cette réalité que tu vois là-bas. Donc, qu'est-ce que tu vas faire avec tes pensées? Est-ce que tu vas vouloir les regarder de manière présente, observateur, et les laisser être, de les laisser s'extomper sans que tu ne réagisses à leur effervescence? Tu vois, c'est un art que d'être calme, attentif pour les voir passer. C'est un art. C'est l'art de la vie. C'est l'art de la sagesse. C'est l'art d'être joyeux. Parce que quand tu n'as plus les pensées qui passent et qui t'embarquent, alors l'esprit est libre et joyeux parce qu'il n'a plus rien à faire pour obéir aux ordres d'une dictature qui a été mise en place depuis des décennies et des décennies. La dictature, c'est le monde en toi qui te dicte comment tu dois être, comment tu devrais être, et tout ce que tu dois faire pour pouvoir exister en tant que la pensée, en tant que tes conclusions, en tant que tout ce que tu connais. Donc sortir de tout ça, c'est une grande joie. Et quand tu as cette joie, alors tu as un don d'amour pour tous ceux qui t'entourent.